Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette démonstration Komatsu. Pour faire une démonstration, il faut des professionnels. Je n'en suis pas un dans cet univers, donc il m'en fallait un. J'ai trouvé Cédric qui est opérateur professionnel. Donc, ça va Cédric? Impeccable Eric. Bonjour à toutes et à tous. Dis-moi ici, en fait, on a reproduit en version miniature un mini chantier. Exactement Eric. D'un côté, nous avons en construction un bassin. Et un petit peu plus haut, la construction d'une route sur laquelle on va faire travailler une pelle PC217CI et un bulle D61PXI. Alors dis-moi, cette pelle là qui s'avance vers nous, est-ce que c'est une pelle traditionnelle? Une pelle, oui, traditionnelle, non Eric. Elle est équipée d'un système de contrôle et de guidage par satellite. En fait, ils ont mis ce que j'ai dans ma voiture, ce qu'ils ont dans leur voiture, ils ont mis la même chose. Non, ça doit être un peu plus compliqué que ça. Un petit peu. Forcément. Regarde, déjà, sur les chantiers, avant, dans le passé, le géomètre devait se déplacer de lui-même sur le chantier, en personne, avec tout son matériel. Et comme tu le sais, Eric, un géomètre ne se déplace jamais tout seul. Il a toujours une aide. Alors, souvent, pour lui porter tout son matériel, et aussi, pas pour planter un, ni deux, ni trois, mais 5, 10, 15 piquets pour matérialiser la route, le chantier. Un petit coup de niveau à la lunette, un petit coup de pige, un petit coup de doigt, un petit coup de bombe de peinture. Bonjour la précision. On fait partir le bulle, un petit coup de marche arrière, une petite faute d'inattention. Crac, le piquet par terre. Alors là, je te raconte pas, le géomètre doit revenir pour remettre le point, perte de temps. On contrôle. On tend la ficelle sur la fameuse marque de peinture, qui je te rappelle, la précision, c'est pas du tout ça. Et si c'est pas bon, on redéfait la ficelle, on recommence la passe, ainsi de suite. Et ça, chaque contrôle à chaque piquet. Alors dis-moi ça, si c'est pas le passé, parce que ça existe encore, faut être honnête. Bien évidemment, c'est une méthode qui semble être dépassée maintenant, en tout cas qui est en train de se faire dépasser par les nouvelles technologies. C'est la vie, c'est comme ça. Donc plein de choses disparaissent, d'autres naissent. Mais alors, par contre, il y a un truc qui a disparu ici, ce sont tes piquets. Alors là, tous mes piquets, Eric, je les ai rangés dans ma cabine. Tu dois être bien à l'étroit là-dedans. Je les ai bien rangés, regarde dans l'écran. Tu vois, maintenant, on a un superbe écran dans la cabine sur lequel je peux recevoir toutes les données nécessaires pour être à la cote sur tout le chantier. Alors, c'est ça, en fait, l'évolution technologique. Pas seulement. À l'usine, dès la conception de la machine, on incorpore les éléments dedans directement. Là, le capteur des vérins, il est dans le fût du vérin. Alors, vérin de godet, vérin de balancier et le vérin de la flèche aussi. Ils n'ont surtout pas oublié les deux vérins de flèche. C'est une solution totalement intégrée, en fait. Totalement intégrée dès la conception de la machine à l'usine. Alors, je crois savoir aussi que Komatsu s'est intéressé de près à la sécurité des hommes. Exactement, Eric. Regarde, à l'ancien système, sur l'écran noir et blanc, il fallait prendre une échelle, monter dessus pour monter tes antennes. Les pieds mouillés, tu glissais, tu te tordais la cheville, bon, pas génial. Sauf que maintenant, regarde, les antennes, on les fixe directement sur les garde-corps de la machine. Donc pour y accéder, pas de problème, côté gauche, on monte les marches tranquillement. Sécurité pour l'opérateur. Oui, parce que la rentabilité, c'est important, mais la sécurité des hommes, ça l'est tout au moins. Exactement. Forcément. Derrière toi, tu as un sticker Intelligent Machine Control qu'on voit fleurir un peu sur toutes les machines Komatsu, notamment même sur les solutions qu'on propose sur le stand derrière nous, dans le hall 6. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Komatsu a ajouté deux nouvelles fonctions sur cette PC210LCI, qui sont l'autostop control et l'aide au nivellement. Alors, si tu en es d'accord, je pense que pour nos amis, ce qui serait mieux, concernant déjà l'autostop control, c'est de faire une démonstration. Avec grand plaisir. Tu vois, en tant qu'opérateur, ce système me permet de ne pas dépasser une cote donnée. Et alors, qu'est-ce qui se passe, si vous, notamment quand vous dépassez cette cote? Quand tu réalises une fouille importante, ça ne te fait pas enlever trop de terre. Et surtout, quand tu connais le passage des câbles ou des conduites qui traversent le projet, ça t'évite de venir les endommager. Ouais, et puis alors là, j'imagine, quand vous pétez tout sur un chantier, ça veut dire forcément du temps perdu, des dépenses supplémentaires. Exactement. Donc là, l'opérateur n'interagit pas, j'ai envie de dire. C'est parce qu'on a mis fixer la cote à l'intérieur. Regarde bien sa main droite. Elle actionne le joystick et il descend pas. D'accord. Ah, c'est super bien ça. Et alors dis-moi, tu parlais aussi tout à l'heure d'une deuxième fonction qui est non moins importante, qui est l'assistance automatique au nivellement. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Moi, en une passe avec ce système, je vais arriver à atteindre la cote voulue du premier coup. Avant, avec les autres systèmes, je mettais plutôt 2, 3, voire 4 passes pour y arriver. Ça dépend le talent du chauffeur. Mais ça fonctionne comment? La flèche va monter automatiquement toute seule pour permettre à mon godet d'atteindre la cote donnée. D'accord.
Quelles belles explications. Par contre, comme je ne suis pas technicien et je suis peut-être pas le seul ici, je pense que ça serait bien d'avoir une démonstration. Alors là, avec grand plaisir. En plus, avec les démonstrateurs qu'on a là... Il adore ça. Et je peux te dire, quand tu fais ton nivellement fin, tu ne te sers que de la main gauche. D'accord. Que de ta main gauche. On peut suivre sur l'écran également. Et il fait même coucou, au public. Il a même le temps de faire coucou. Il fait coucou tout en travaillant. Ça a l'air facile, hein, comme ça. C'est facile. Ça rend l'opérateur beaucoup plus précis dans son boulot, beaucoup plus rapide. Et je peux te dire qu'en fin de journée, ça nous rend mais beaucoup plus relax. Je voudrais pas te provoquer, mais tu sais, je suis un peu provocateur quand même. Est-ce que moi, je pourrais pas prendre la place ? Est-ce que moi, je vais prendre ta place, Eric ? Bien sûr que non. Le système ne remplacera jamais un opérateur. Ça va le rendre plus précis dans son travail, mais on aura toujours besoin du talent de l'opérateur, Eric. Toujours. Je vais te dire, ça me rassure à double titre. D'abord parce qu'effectivement, on a d'abord besoin des pros. Et ensuite, parce que j'aurais pas à piloter ce type de machine. Ça serait trop dangereux pour vous, à mon avis. Oui, exactement. Tant mieux pour nous, Eric. Voilà, il remet un peu de la charge du matériau devant le bulle. Il lui prépare le boulot. Il lui donne du boulot à faire. Ah, c'est dans cet ordre que ça marche. Pour le casse-croûte, à midi, ils font pareil. Exactement, ils partagent. Ils se chargent. Ok, on va le laisser s'échapper. Il veut arrêter. Là, il a klaxonné. Donc, on s'écarte. Il vaut mieux. Hein. Il aura toujours raison par rapport à nous. Hein. Alors là, comme ça, ça nous permet de mieux voir le pousseur, le bulldozer. Est-ce qu'il a la même technologie ? Oui, Eric, là, mais bon, on le voit pas très bien sur la machine. Regarde sur l'écran. Tu vois, maintenant, on a placé les antennes GPS directement sur le toit. Donc, fini l'antenne GPS sur les lames. Fini le câblage et fini les capteurs de lame aussi. Fini. Mais en quoi est-ce si important ? Le matin et le soir, ça évite à l'opérateur de monter et démonter le système. Et comme il est mieux protégé sur le toit, ça évite au patron de recevoir les factures bien salées de casse qu'on avait avant. Je peux te dire qu'il a le sourire maintenant jusqu'aux oreilles. On peut le comprendre. Donc gain de temps, économie, c'est sûrement pas le seul avantage. Ah non, ce petit bulle, il est équipé d'un système inédit. Contrôle de charge, Eric. Encore des gros mots, ça y est, tout de suite des gros mots, tu nous expliques ? Regarde à l'écran, c'est plus facile. Tu vois, quand on fait un gros terrassement ou un nivellement fin, on a toujours une accumulation de matériaux devant la lame, oui. Ce qui peut engendrer un patinage de chenilles. Sauf que là, avec le système, regarde bien, le système va soulager en levant la lame, ce qui va éviter ce patinage de chenilles. Automatiquement, sans intervention de l'opérateur. Automatiquement, sans l'intervention de l'opérateur. Et est-ce qu'on voit bien là-haut quand on est placé à sa place ? Ah oui, oui, alors là on a une visibilité de coin de lame qui est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est vrai, il a l'air très compact. Bah, tout le système de ventilation du moteur maintenant est à l'arrière. Donc ce qui donne un profilé à l'avant vraiment inégal, tu vois vraiment le coin de lame. J'avais le souvenir, tu sais, de ces bulles avec un très long nez. J'imagine qu'on doit être fier de conduire ce type d'engin avec toute cette nouvelle technologie. On est très fier et je peux te dire qu'on fait un boulot remarquable. Je crois que tu as été bluffé toi quand tu l'as essayé. Ah oui, 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 oui. Et pareil, on travaille avec une décontraction avec ça, c'est vraiment... Et quand il part en marche arrière comme ça, par contre là, il reprend quand même les commandes ? Non, 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 du tout, Eric. Là, le système, il marche avant, marche arrière, le système prend le relais sur l'équipement. Ça, il n'y a aucun souci. C'est super parce que déjà, quand il patine plus, il fait des économies. Bon, ça, c'est quand même vachement bien. C'est compact, on y voit bien et tout, c'est génial. Mais alors, en termes de finition de chantier, on peut aller comme ça jusqu'au stade ultime des finitions ? Ah oui, 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 regarde. Il est vraiment fini. Il est vraiment à la cote donnée du chantier. Alors, quand on développe une technologie comme celle-ci, aussi, je ne dirais pas révolutionnaire, mais évolutionnaire, forcément, on a dû chiffrer un petit peu tout ça en termes d'avantages, en termes d'amélioration, non ? Oui, mais alors là, Eric, tu me parles de chiffres. Je peux te dire qu'on va dire chacun son métier. On va plutôt faire appel à Thomas, notre géomètre, qui sera beaucoup plus au courant. Alors, accueillons
un géomètre et pas n'importe lequel. Salut Thomas. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Dis-moi Thomas, depuis une petite dizaine de minutes, on explique à nos amis en quoi consiste cette nouvelle technologie, mais concrètement, toi qui es avec des équipes sur le terrain au quotidien, qu'est-ce que tu as pu constater en termes d'amélioration ? Tu sais, le plus beau dans l'histoire, c'est que c'est même plus moi qui le constate directement, puisque les machines le font pour moi. Je m'explique. Que ce soit la PC210 LCI ou le D61 PXI, les deux machines sont capables d'enregistrer le travail qu'elles font au fur et à mesure qu'elles l'effectuent. La pelle va enregistrer le passage de son godet et comme ça on est sûr que la précision est de l'ordre de plus ou moins 20 mm. 20 mm sur tout un chantier ? Ouais, sur tout c'est un chantier. C'est extraordinaire ça, dis-moi. C'est vraiment génial. En plus, ça me permet aussi, par exemple, d'envoyer un nouveau fichier projet. Ça peut arriver plusieurs fois par semaine. Pas besoin d'aller avec ma voiture, une clé USB, mettre sur toutes les machines, l'opérateur m'attend. J'envoie directement depuis mon ordinateur au bureau le nouveau fichier projet, il le charge et s'il a le moindre problème, je peux même l'aider à distance. Tu l'aides à distance, tu ne te déplaces plus, tu restes dans ton bureau ou sur un autre chantier, là tu prends la main directement sur la machine qui a un problème ? C'est exactement ça. Du moment où j'ai une tablette, un téléphone, un ordinateur avec une connexion Internet, je suis capable de prendre le contrôle de l'écran sans que l'opérateur ait besoin d'intervenir. Peut-être le mieux, c'est de regarder sur l'écran. Regarde. Là, il n'y a personne dans la machine et pourtant, je vais aller changer le paramétrage fichier projet, changer la vue construite, changer tous les paramètres dont j'ai besoin. Et là, pas besoin de l'intervention de l'opérateur du tout. Je le fais en toute autonomie. Il n'est plus obligé de m'attendre. C'est vraiment génial. C'est impressionnant. Je vous dis franchement, c'est impressionnant, messieurs. Merci de m'avoir accompagné dans cette démonstration et de nous avoir permis de montrer toutes ces technologies que propose Komatsu. Merci à vous. Et puis, si vous vous posez des questions, forcément, suite à cette démonstration, n'hésitez pas, rapprochez-vous de nos experts, ceux qui portent un polo Komatsu, ou bien rendez-vous dans le hall 6, juste derrière moi, sur le stand E6 G6. Et là, vous y recevrez le meilleur accueil. Il est facile à trouver, c'est là où il y a les plus belles machines. Alors, en tout cas, bon salon à vous tous, et puis à très bientôt sur une machine Komatsu.